Tous et toutes, chers amis, nous souffrons, ou pas toujours en même temps, mais nul n'est épargné qu'il soit enfant, adulte ou vieillard. La souffrance fait partie de notre cheminement en tant qu'homme. Et la Bible euh, nous affirme qu'en tant que chrétiens, nous aurons aussi des souffrances. Comment faire Lorsque nous souffrons en tant que chrétiens, eh bien, Dieu nous garantit une chose, il nous dit qu'il sera toujours présent. Et c'est quelquefois la seule consolation que nous pouvons obtenir, et ce n'est pas la moindre, lorsque nous souffrons atrocement et dans le temps, et je pense aux épreuves interminables, la seule consolation que nous avons quelquefois, c'est la présence de Dieu. Un Dieu qui, je le rappelle, au travers de Jésus-Christ, a souffert lui-même, a pris la croix, a choisi l'ignominie. Il a été mené, au travers de Jésus-Christ, comme un agneau à la boucherie. Jésus a eu confiance en son Père et après avoir dit sur la croix Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné il citait bien sûr les paroles d'un psaume. Eh bien, Jésus, après avoir prononcé ces paroles, qui n'étaient pas des paroles de révolte, mais peut-être d'incompréhension sur le moment présent de ce qui se passait réellement, tellement la souffrance l'empêchait de, de réfléchir, eh bien, ces paroles de Jésus, il les a, pronon il les a prononcées euh, en sachant que la suite était dans les bras de son Père. C'est grâce à son abandon entre les bras de son Père qu'il a pu vivre la suite. Croyons-nous que Jésus n'avait pas le pouvoir de descendre de la croix comme tous ces gens dont les sacrificateurs euh, lui disaient Il aurait pu se révolter, descendre de la croix, mais il ne l'a pas fait. Il a choisi quant à lui l'obéissance pour nous sauver. Il ne nous faut pas être surpris de souffrir, car je le disais à l'instant, cela fait partie de notre cheminement et c'est une école destinée à nous bonifier. L'apôtre Pierre, qui lui-même avait souffert oh, aussi beaucoup à cause de lui et de ses reniements, nous dit ceci, c'est dans sa première épître, au chapitre 4 et au verset 12. Bien-aimé, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Et la Bible, dans sa version du semeur, traduira ceci euh, en ce qui concerne ce verset. Ne soyez pas surpris. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Alors, ça, c'est un élément important. Parce que, en tant que chrétien, on pourrait lever les bras au ciel et dire Quoi Dieu ne m'a pas béni. Je souffre trop. Dieu ne m'a pas béni. Je vis un deuil. J'ai une perte de travail et je suis au chômage. En ce moment, Dieu ne bénit pas ma vie. Et c'est horrible ce cheminement que je vis. Dieu m'a abandonné. Alors, je comprends ces réactions et je n'ai rien à dire aux personnes qui, qui disent cela, mais je leur conseillerais cependant de réfléchir, de réfléchir à leur vocation. Car la Bible est claire, claire, nette. Elle nous dit bien que la souffrance fera partie de notre cheminement et sera parfois notre compagnon de route. Et Pierre... Il enfonce le clou, lui. Et il dira ceci toujours dans ce quatrième chapitre de son Épître, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché afin de vivre selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est révolutionnaire. Pierre, ici, l'apôtre Pierre, nous parle d'une arme qui n'est pas citée dans le sixième chapitre de l'épître aux Éphésiens. Vous savez, il y a une nomenclature de toutes les armes du combattant spirituel. Ici, Pierre nous parle d'une nouvelle arme, et pas la moindre. C'est l'arme qui consiste chaque matin, quand on se réveille et qu'on se met en prière, à se dire, je vais peut-être souffrir aujourd'hui. Si on est revêtu de cette arme, si on l'utilise, on ne sera pas surpris de souffrir dans la journée si l'épreuve arrive. Sommes-nous armés de la pensée de souffrir réellement, comme le préconise l'apôtre Pierre Si nous sommes réellement armés de la sorte nous deviendrons des combattants spirituels et nous n'aurons pas froid aux yeux. Oui, pas froid aux yeux, parce que la vie chrétienne est un combat. La vie chrétienne, Jésus ne nous l'a pas décrite comme un, océ un océan sans vagues. Il nous a bien dit que nous serons persécutés, que nous souffrirons, nous serons injuriés, calomniés, nous serons rejetés à cause de notre foi que nous aurons des souffrances dans nos églises, que nous aurons des souffrances dans nos familles. Et oui, dans une famille, lorsque quelqu'un découvre son appel à servir Dieu, il sera peut-être rejeté par sa fratrie, par ses parents, qui ne le comprendront pas. La vie chrétienne, si nous nous y engageons réellement, fermement, et d'une manière stable, nous mettra en face de certaines souffrances que nous n'aurions pas voulues. Vous ne les auriez pas voulues et je ne les aurais pas voulues. Mais cependant, ces souffrances sont là et nous ne devons absolument pas être surpris qu'elles bordent notre route. Toujours le même apôtre Pierre, il dira dans sa première épître au chapitre 5, résistez au diable d'une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alors là, je veux parler des souffrances spirituelles que nous pouvons subir de la part du diable lui-même. Le diable qui est le père du mensonge, c'est le destructeur. Le, le disciple Jean, l'apôtre Jean, dira ceci en Jean 10-10, le voleur n'est venu que pour dérober, égorger et détruire. C'est celui qui veut notre destruction et il pourra nous attaquer avec la permission de Dieu. Il pourra nous attaquer pour nous flanquer en l'air, pour diviser ce que nous faisons et pour l'anéantir, pour anéantir aussi notre santé nerveuse, pourquoi pas notre santé physique. Jeter le trouble à l'intérieur de notre couple, parce que oui, chers amis, le diable, c'est celui qui milite contre l'unité des couples. On l'appelle le diviseur. Vous vous étonnez que dans votre couple, il y ait un tel combat spirituel Vous avez affaire à Satan, très certainement, qui essaye par tous les moyens de provoquer un divorce et une fissure, en tout cas, dans votre unité de couple. Alors, réagissez comme le dit l'apôtre Pierre, car les mêmes souffrances sont imposées aux autres dans le monde. L'apôtre Paul avait un enfant spirituel bien-aimé, nous le savons. C'était Timothée. Il y avait une affinité entre eux. Il y avait une communion extraordinaire. Et Paul, un peu comme un père de famille, couvrait son enfant, l'enseignait et l'exhortait à marcher d'une manière obéissante dans les voies du Seigneur. Il n'hésitera pas à le dire à Timothée, et nous le voyons dans la deuxième épître euh, écrite pour Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ça, c'est le verset 3 du chapitre 2 de la deuxième épître à Timothée. Mais dans le chapitre 1 de cette même épître, au verset 8, Paul renchérit, souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Et puis il s'adressera aussi aux Corinthiens, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 12. Il dira ceci, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Jésus-Christ. Paul est très très clair dans son enseignement sur la souffrance. Et je crois que de nos jours, nous avons beaucoup à apprendre tout à nouveau de l'enseignement de l'apôtre Paul. Car nous sommes dans un, dans un temps où les chrétiens, nous ne voulons plus souffrir du tout. Ce que je comprends, je le rappelle. Mais le problème, c'est lorsque nous refusons la souffrance au point de refuser la croix dans nos vies. La croix qui fait quelle œuvre Elle fait une œuvre d'anéantissement du vieil homme. La chair est crucifiée et doit le rester, et c'est quelquefois par certaines épreuves et souffrances qu'elle reste crucifiée avec Jésus-Christ. Paul est donc très clair. Et il dit ceci, que nous devons souffrir comme un bon soldat. Donc la vie chrétienne, pour l'apôtre Paul, bien c'est comme à l'armée. On est enrôlé dans une armée et on est un soldat. Et puis, il dit aussi, l'apôtre Paul, à Timothée, bien, souffre pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Par la puissance. Alors là, c'est intéressant. Un des remèdes à la souffrance, et je l'ai déjà dit, c'est la présence de Dieu. Dieu est présent au milieu de ma souffrance et il m'aide à traverser cette souffrance. Mais il y a aussi sa puissance qui va m'accompagner. C'est la puissance du Saint-Esprit que je dois accueillir, une sorte d'effusion une sorte de renforcement que je vais souhaiter de tout cœur et qui va m'aider à traverser les pires épreuves. L'apôtre Pierre, qui préconise à chaque chrétien d'être armé de la pensée de souffrir, était celui, souvenons-nous, qui s'est opposé aux souffrances de Jésus-Christ avant qu'il ne monte sur la croix. Il s'y est opposé de nombreuses manières. Souvenons-nous de ce qu'il a fait dans le Jardin de Gethsemane. Il va prendre l'épée pour essayer de zigouiller, excusez-moi du terme, un serviteur qui était là euh, et qui était affilié euh, euh, au grand prêtre. Il prend les armes, l'apôtre Pierre, parce qu'il estime que trop c'est trop et que son Jésus ne devra pas souffrir. Mais auparavant, et souvenons-nous de cela, Jésus annoncera à ses disciples qu'il devra souffrir à Jérusalem, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Et je l'ai déjà dit, lors d'une émission sur la souffrance, Pierre répondra à ceci la preuve qu'il était. Immature encore au niveau spirituel. « À Dieu ne plaise, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. » Pierre, le grand sauveteur de Jésus-Christ, celui qui va essayer de le sauver. C'est beau d'ailleurs. C'est vrai que Pierre se trompe, mais c'est beau que l'apôtre Pierre la vole au secours de son Seigneur en disant « Non, 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 tu ne vas pas souffrir, je veux pas que tu meurs. » Je ne sais pas s'il avait l'intention réellement de s'opposer à la croix de Golgotha, dans la vie de Jésus. Mais en tout cas, il ne voulait pas que Jésus ait mal, que son Seigneur ait mal. Jésus va le reprendre très sévèrement et va lui dire ceci, Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Moi, ça m'a fait mal quand j'ai vu que Jésus reprenait de la sorte l'apôtre Pierre. Mais finalement, j'ai compris que derrière ces paroles de l'apôtre Pierre, Satan, d'une manière inconsciente pour Pierre, utilisait cet homme pour décourager Jésus. Et cette parole assez dure que Jésus va euh, décocher, telle une flèche euh, dans la vie de l'apôtre Pierre, elle est là pour nous avertir. Ne soyons pas pour les autres une occasion de chute. Lorsqu'ils traversent une épreuve, ne leur disons pas trop facilement qu'ils l'ont mérité et que c'est parce qu'ils ont une malédiction dans leur vie ou ils ont désobéi, mais essayons d'avoir le vrai discernement de ce qui se passe dans leur vie cela les aidera. Il semblerait que l'apôtre Pierre, nous le voyons toutefois dans ses épîtres, a tiré la leçon de ses échecs passés. N'oublions pas qu'il a renié Jésus par trois fois. N'oublions pas qu'il s'est opposé aux souffrances de Jésus et que Jésus lui a dit arrière de moi Satan. Il en a tiré des leçons et dans ses épîtres, qu'il écrira beaucoup plus tard, nous voyons qu'il est même un ardent défenseur de ceux qui pensent qu'un chrétien passera parfois par des souffrances. Et il le dit bien dans son enseignement encore, dans la première épître de Pierre au chapitre 4, Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Mais oui, parce que la honte peut nous saisir. Et je l'ai déjà dit ici. Lorsque nous voyons... Que quelqu'un à côté de nous dans l'Église est guéri, délivré, qu'il loue le Seigneur, qu'il est dans la joie, que tout va bien dans sa vie. Nous pouvons, quant à nous, si nous ne vivons pas la même chose que lui, et que je dirais même nous, nous sommes dans des temps d'épreuve et de désert, nous pouvons très bien penser que Dieu ne nous bénit pas. Or, oh, j'aurais beaucoup de choses... À dire par rapport à cela, qu'est-ce que la bénédiction, chers amis La bénédiction est-ce d'abord quelque chose de visible Dieu me bénit, j'ai une voiture, j'ai de l'argent, j'ai une famille, j'ai une bonne église, j'ai une bonne santé. Dieu me bénit. Mais si j'avais pas ça, je serais pas béni. Excusez-moi, c'est un raccourci clavier, mais qui n'est pas du tout biblique. Qu'est-ce que la bénédiction de Dieu c'est le fait que Dieu se rende présent simplement dans nos vies. La bénédiction que Dieu déverse dans nos vies, c'est la présence de sa personne. Ce n'est pas d'abord ce qu'il nous donne. Sa bénédiction, c'est le fait que lui, le donateur, se rend présent à nous dans les bons comme dans les mauvais jours. Quand tout va bien et quand tout va mal. C'est cela la bénédiction. Alors j'aimerais donner un conseil maintenant, peut-être à ceux et celles qui nous écoutent et qui se disent, je ne suis pas béni, je vis dans la dèche, rien ne va. Dans la mesure où tu incorpores Jésus dans ta vie, où tu l'appelles pour qu'il soit présent, tu recevras la consolation et surtout tu recevras la bénédiction qui est d'abord sa présence qu'est-ce qui peut nous aider le plus lorsque nous traversons la vallée des larmes la vallée des souffrances la bible l'appelle aussi la vallée de baca eh bien je l'ai dit c'est d'incorporer la présence de dieu à nos vies et ainsi nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas paumés, perdus. Et puis également, il y a aussi l'action de la prière. Je sais très bien que lorsqu'on souffre beaucoup, on n'a pas envie de prier. Mais cependant, Jacques, dans son épître, donnera ce conseil aux chrétiens. C'est au chapitre 5. Quelqu'un est-il dans la souffrance Qu'il prie. Je vous exhorte. Si vous traversez des moments difficiles, que vous vous soyez déjà réconcilié avec Dieu ou non, je vous exhorte à vous mettre à genoux. Et comme le dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, à fermer votre porte sur vous et à prier Dieu dans le secret. Et il est dit que, et c'est Jésus qui l'affirme, mon Père qui voit dans le secret te le rendra. Mais oui, la prière porte du fruit. Lorsque j'appelle Dieu et que j'insiste, il répond et il vient. Et il me bénit. Il me délivre. C'est vrai, c'est pas magique. Ne soyons pas superstitieux. Mais plus je vais appeler le Seigneur comme cela, plus il se rendra présent dans ma vie, quelquefois avec un délai, dont je n'ai pas l'explication moi-même. Mais j'ai subi, quelquefois, ces attentes interminables entre le moment où j'avais prié Dieu et le moment où il a répondu. L'exemple euh, qui parle beaucoup, c'est l'exemple de Joseph dans l'Ancien Testament. Il a des visions. Il s'écoulera 22 années entre le moment où il a reçu les visions qu'il a eues et leur accomplissement. 22 années, bien sûr. Je ne dis pas, et vous le savez, que Dieu mettra 22 années pour répondre à votre prière. Je souhaite que ce délai soit court. Mais je vous invite à frapper à la porte du Seigneur. Je vous invite vraiment, si vous ne le connaissez pas, par exemple, je vous invite à aller vers lui. Quelqu'un me disait l'autre jour, Dieu n'existe pas. Je lui ai dit, bien sûr, tu ne le vois pas puisque tu lui tournes le dos. Ne tournez pas le dos au Seigneur. Faites-lui face. Suppliez-le. Demandez-lui d'intervenir. Que vous soyez au chômage ou dans une autre épreuve douloureuse, demandez-lui. Car Jésus a dit qu'à celui qui frappe, on ouvrira. La prière, nous venons de le dire, c'est une arme. Lorsque nous souffrons, et que nous nous mettons en communion avec Dieu, nous recevons un apaisement, une paix intérieure qui nous permet de traverser les souffrances en question. Et Pierre, encore l'apôtre Pierre, euh, l'affirme, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. On retrouve ce verset dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 2. Qu'est-ce qu'un homme pieux c'est un, un homme qui aime le Seigneur et qui prie, qui passe du temps en prière. Alors j'aimerais vous dire, même si votre prière est un peu pauvre au niveau vocabulaire, même si elle tourne autour de vous-même essentiellement, priez. Dieu ne rejettera jamais votre prière si vous priez de tout votre cœur, tel que vous êtes. Même si c'est une prière égoïste, Dieu accepte ses enfants le plus fort comme le plus faible, l'égoïste comme celui qui donne sa vie. N'hésitez pas de prier, n'hésitez pas également d'éviter de tomber dans le mal. Et Job, Job l'ami Job dont nous avons parlé déjà, il dit ceci, c'est au chapitre 36, verset 21, garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Eh oui. C'est vrai que quand on est dans l'épreuve, quand on souffre, on a envie de dépendance. On a envie de s'adonner aux dépendances. Alors je vais citer très vite là l'alcool, le sexe, le jeu, la télé à outrance, la dépendance relationnelle, la dépendance affective, la codépendance. Dépendre de quelque chose ou d'une personne. Eh bien, la souffrance. Nous pousse vers cela. Et Job avertit la souffrance qui dispose. Alors le conseil que je donne, c'est bah, évitons, évitons de trop aller dans ces choses-là, parce que qui peut dire parmi nous qu'il n'a jamais euh, été sur ces chemins du mal? Enfin, l'apôtre Pierre, et je termine par là, dit ceci au chapitre 4 de sa première épître. Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Seigneur, je t'abandonne ma vie. Dans mon raisonnement, tout est là pour que je me révolte. Je n'y pige plus rien, Seigneur. J'en ai marre, je baisse les bras, mais finalement, j'accepte de m'abandonner quand même. Je te livre ma vie. Fais la suite, Seigneur.